L'éthiopathie, c'est une médecine mécaniste qui vise à rechercher la cause des pathologies. On essaye de manipuler le moins possible et le plus précisément. Donc, pour être éthiopathe, il faut avoir fait 6 années d'études. Donc, il y a 4 facultés en France, à Paris, Lyon, Toulouse et à Rennes. Donc, en éthiopathie, on a une approche causale. On essaye de manipuler le moins possible et le plus précisément, qui nous confère donc de soigner un certain nombre de pathologies. Donc, que ce soit l'aspect articulaire, l'aspect musculaire. On soigne pas mal de pathologies digestives, ORL. Praticien, donc on va essayer de poser un maximum de questions pour pouvoir faire notre diagnostic éthiopathique et avoir une approche la plus causale de la pathologie. Et donc du manipuler le moins possible et de régler le problème le plus vite possible, bien sûr. Bonjour. Bonjour Curtis, pourquoi viens-tu? Elle a problème aux deux épaules, mais il y en a une plus que l'autre. Donc ça me lance, j'ai mal quand je lève les épaules, je lève le coude avant, arrière. T'as une sensation douloureuse au niveau de l'épaule? Sorte de tension, comme si ça chauffait et dans ce temps ça lançait des coups. Vas-y. Alors tu vas ramener ton épaule en enfin ton avant-bras en avant. Vas-y, force. Ça te fait mal? Ça tire un petit peu, Un petit. Là tu vas ramener le bras à gauche. Vas-y. Au niveau du deltoïde. là aussi, ouais. Et au niveau de l'insertion du biceps. Alors du coup. Ouais, normalement, quand je rappuie, ça te fait moins mal. Alors détends-toi bien. Inspire. Et souffle bien fort. Voilà. Ok. Laisse-toi bien faire. Là, tu vas regarder la main dans le coude en arrière. Vas-y, fort. Voilà. Tu vas ramener l'avant-bras sur le bras. Vas-y, fort. Ça te fait moins mal? L'éthiopathie, c'est pas encore de la magie. Normalement, ta douleur devrait être diminuée de 70%. Bon, tu peux te rhabiller. Par rapport à mon métier, ça me porte beaucoup pour la récupération. Dès que j'ai une petite tension musculaire, dès que je dois récupérer, dès que j'ai une petite vertèbre de déplacée ou des bêtises comme ça. Et à chaque fois, après, ça me permet de prendre vraiment du repos parce qu'il faut au moins 2 jours de repos derrière. Alors, entre un éthiopathe et un ostéopathe, je trouve qu'avec l'éthiopathie, on est plus dans la recherche du détail. Donc après, c'est plus approfondi, peut-être c'est vu avec d'autres notions. Donc je trouve que la récupération est plus rapide après. Prendre le cas simple d'une entorse, en éthiopathie, on a une action directe sur la pathologie. Donc en 2 voire 3 séances, normalement, la personne repart et peut reprendre son activité sportive. Si on doit faire une différence entre l'ostéopathie et l'éthiopathie, on va prendre un cas concret. La plupart du temps, en ostéopathie, on a une approche globale du corps. La plupart des ostéopathes manipulent de façon globale, au contraire de l'éthiopathie, qui est une approche causale, où on essaie de manipuler le moins possible et le plus précisément. J'ai fondé le centre Réflexe Ethio pour accueillir le maximum de patients. Il est ouvert 7 jours sur 7, 2 nocturnes dans la semaine. Un centre dans le centre de Paris. 3 éthiopathes sont à votre disposition, Fatine, Adrien et moi-même, pour vous soigner.